Sean Combs, appelé P. Diddy, est un artiste, hip-hop, producteur, entrepreneur, acteur et légende vivante aux États-Unis. En 2014, il a reçu un doctorat honorifique en sciences humaines de l'université de Howard pour son travail philanthropique. Grâce à sa forte éthique de travail et à sa créativité, il s'est construit un empire qui l'a placé parmi les personnes les plus influentes du monde actuel. Il est actionnaire de différentes entreprises, dont Ciroc, qui est la marque la plus connue, je pense, en France. Sa valeur nette aujourd'hui est de 885 millions. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo les 10 meilleurs conseils de P. Diddy pour pouvoir réussir sa vie. Lorsque vous avez un rêve, une grande vision pour votre vie et que vous croyez de tout cœur que vous pouvez le réaliser, vous devenez la force la plus puissante de l'univers. Tout le monde a des défis et des leçons à apprendre. Nous ne serions pas qui nous sommes sans eux. Les défis forgent le caractère. Ce que vous êtes est la somme totale de vos expériences de vie. Si vous n'étiez jamais mis au défi, vous n'apprendriez jamais la résilience. Et si vous n'avez jamais appris la résilience, vous n'atteindrez jamais les sommets vers lesquels vous vous dirigez. Je pense que parfois, les gens peuvent penser que j'ai trop de passion. Je pense qu'il faut y croire. C'est l'un de mes plus grands mantras, croire. Je ne serais pas ici si je ne croyais pas en moi. Je vois ces autres montagnes qui s'élèvent dans le ciel et ça ne me fait pas peur. J'ai hâte d'y grimper, d'en franchir les sommets et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous savez, j'ai une citation. N'ayez pas peur de fermer les yeux et de rêver, mais ouvrez les yeux et voyez. Croyez en vous. Croyez en votre projet. Soyez passionné et déterminé dans vos objectifs. Ne laissez jamais personne, pas même vous-même, vous dire que vous n'êtes pas capable de réaliser ce que vous voulez. Travaillez dur chaque jour pour réaliser votre vision et n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Vous savez, je ne le dis pas de manière arrogante, mais je suis fier d'être l'un des meilleurs dans ce que je fais. Soyez fier de ce que vous êtes et soyez encore plus fier de travailler chaque jour pour vous améliorer. Je ne crois pas en la peur. Je vis ma vie chaque jour sans regret. Il n'y a pas de regret dans la vie. Il y a seulement des leçons. Vous faites des erreurs, vous vous trompez, et c'est OK. Laissez vos erreurs vous apprendre où vous ne voulez pas être et allez de l'avant. Nous sommes tous des rêveurs, mais il y a une réalité pour réaliser nos rêves. Et je pense que c'est ce qui sépare les rêveurs qui réussissent des personnes qui restent au lit et continuent à rêver. Car lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons clairement ce que nous devons faire pour réaliser nos rêves. Le travail, le maître mot, c'est le travail. Ne vous contentez pas d'imaginer le succès dans votre esprit. Travaillez et construisez le succès de vos propres mains. Il est très important d'aimer ce que vous faites, car vous allez devoir passer beaucoup de temps à maîtriser votre compétence. Le succès ne tombe pas du ciel. Tu dois travailler, travailler, travailler et encore travailler. Et si vous n'êtes pas follement passionné par l'endroit où vous allez dans la mauvaise direction. Vous allez avoir besoin de cette passion pour vous aider à passer les jours où ce sera difficile. Je veux avoir un impact culturel. Je veux être une inspiration, montrer aux gens ce qui peut être fait et ce qui est possible. La plus grande réussite est d'être capable d'utiliser son succès pour quelque chose de plus grand que soi. À maintes reprises, les gens essaient de réussir quelque chose pour des raisons égoïstes, mais ils n'atteignent pas les sommets de ceux qui ont un but plus grand qu'eux. Personne ne va vous emmener sur le devant de la scène, à moins que vous puissiez créer votre propre chemin devant cette scène. Il n'y a pas de soutien. Si tu veux être au sommet, tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur dans ta catégorie. Tu dois être le meilleur dans ta ligue. Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans échec. De vos échecs viennent vos plus grandes leçons. Si tu n'échoues pas, c'est que tu ne sais pas.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. PDD, ses sons, je les écoute jusqu'à aujourd'hui. Il a vraiment beaucoup apporté, surtout dans la communauté black américaine et dans le hip-hop. Donc, les gars, on lâche rien. Il y a eux et il y a nous. Soyez donc en